Bien, commençons. On sait tout ce qui est en jeu. Beta, Gaïa. Sans oublier la vie sur Terre. On pourrait penser que les Zéniths sont invincibles, mais ce n'est pas le cas. On a tout ce qu'il nous faut pour infiltrer leur base et les vaincre. On a même l'une des leurs avec nous. Tilda, montre-nous la base. Elle a été bâtie sur les ruines d'un ancien complexe militaire sur une île située au sud-ouest. Je peux nous faire entrer. À cet endroit. Discrètement. Et comment, juste? Tu le sauras en temps voulu. Une fois à l'intérieur, nous irons ici. La tour de lancement. Gaïa et Beta sont détenus au sommet. Mais en chemin, nous devrons faire face à de nombreux adversaires. En particulier Gérard, Eric et les autres. Mais aussi... Quand je me serai occupé de leurs boucliers, on devrait pouvoir les neutraliser. Mais il sera plus facile d'activer le dispositif si quelqu'un d'autre le porte. Il faudra quelqu'un de fort. Porter des trucs? Ouais, c'est dans mes cordes. Même si ton appareil fonctionne, il restera les drones spectres en grand nombre. Si seulement on avait une armée pour les affronter. J'ai un moyen de gérer ça. Vous comprendrez le moment venu. Très bien. On doit se retrouver avant de s'infiltrer. Quel est le meilleur endroit pour ça? Sur la côte, juste en face de l'île. Une fois là-bas, je vous guiderai. D'accord. Je vous contacterai une fois que je serai arrivée. Et vous pourrez me rejoindre. En attendant, faites tout le nécessaire pour vous préparer. C'est compris ? Vous deux ? Un instant. Tilda m'a permis de contacter Beta, et elle m'a appris quelque chose d'important. Il y a une installation dans la base qu'on appelle un régulateur, ici. Une fois à l'intérieur, vous devrez vous séparer du reste du groupe pour le détruire. Il vous faudra des explosifs. Ça permettra de freiner les drones. Toute la mission repose là-dessus. Ça ira? Après ça, vous trouverez un moyen d'infiltrer le réseau des Zéniths. Comment? Il faudra parcourir toutes les données que Beta a laissées. Elle savait comment faire, j'en suis sûre. Très bien. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je suis censée faire? Trouver des informations au sujet des Zéniths. Tout détail que Tilda peut cacher. Silence a raison sur une chose. On ne peut pas se permettre de lui faire confiance. Je ferai de mon mieux. Veille sur elle, d'accord? Je te le promets. Aloy. Où sont les autres? Juste là, derrière. Cette tête d'œuf voulait pas voyager avec tout le monde. Tout le monde est là? Alors on y va. Un tunnel. Une ancienne issue de secours pour s'échapper des ruines de l'île. Quand je me suis rendu compte qu'elle permettait de traverser, j'ai pensé qu'elle serait pratique pour aller et venir discrètement. Alors je n'en ai pas parlé aux autres. On y va ?
Oh, j'aurais préféré un chemin moins odorant pour pouvoir entrer dans la base. Pareil. Voilà la tour de lancement. Cette plaine est à découvert, et il n'y a qu'un seul chemin possible par ici. Des spectres vont sûrement le garder. Et bien d'autres peuvent être déployés depuis ces hangars. Très bien. Alva, Kotalo, allez-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelque chose d'important. Erend, avec moi. Vous autres, passez en hauteur au cas où il faudrait nous couvrir. C'est une bonne tactique, j'imagine. Et elle, que fera-t-elle? Il y a un nœud de capteur pas loin. Si je le pirate, je devrais pouvoir brouiller le réseau et vous permettre de passer inaperçu. Mais pas longtemps. Eh bien, poursuivons dans ce cas. Autre chose. Ouvre le canal à Beta. Juste l'audio. Aloy ? On est là. Et on vient te sauver. Tu sais quoi faire, pas vrai ? Bien sûr, tant que tu fais ta part. Sans faute. À tout de suite. Sois prudente. Allons-y. Alva et Kotalo ont réussi. C'est au tour de Beta. Aloy, je crois qu'on a des ennuis. Je ne sais pas comment tu comptais neutraliser ces spectres, mais maintenant il faut y aller. Ce n'est pas moi qui m'en charge. C'est Beta. Il lui faut juste un peu de temps. Oui, mais on ne l'a pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre armée! Je crois que tu as leur attention. Très joli coup. Tu as demandé à Beta d'injecter Héphaïstos dans la matrice d'impression de la base. Qui est plus rapide et plus puissante que n'importe quel creuset. Oui, et maintenant elle crée des machines autant qu'elle le souhaite. Être à la tour avant que cet endroit se transforme en champ de bataille. Tu peux atteindre la tour de lancement en traversant le hangar. Je me dirige là-bas pour te rejoindre. Le hangar est en sale état, mais je vois une entrée. Vite, Aloy ! Par le sang des 10 ! Allons-y ! Pompée à la castagne ! Regarde-moi tous ces trucs de l'espace. Allez, plus vite! Par ici, démon! Voilà la
mort qu'on m'a promise. C'est donc toi qui es à l'origine de ce chaos. Le chien-chien de Tilda. Silence, Zénith en vue, on pourrait abattre leurs boucliers. Je charge l'appareil. Bouge pas. C'est inutile. Vous ne pouvez rien faire. Regardez-vous, des vermines qui se sont introduites par une fissure dans la cave. Silence ! Encore un moment. Mais je peux vous épargner si vous me livrez Tilda. Je crois qu'on peut dire qu'elle a renoncé à sa part dans notre opération. Définitivement. Ah, ça y est. Non ? Vraiment ? Bien. Alors tant pis. Plombez-les ! Sommes-nous censés avoir peur ? Pas longtemps avant de préparer la navette pour partir. Il pourrait alors emmener Beta et Gaïa en orbite, à bord de l'Odyssée et hors de notre portée. On doit passer par là ? Je ne vois pas d'autre option. Allez, on va se frayer un chemin. Arrêtez ! Je n'ai pas besoin d'un bouclier pour me débarrasser de toi. Crois-moi, tu vas regretter d'avoir dit ça. N'est-ce pas, Beta ? Le malin sans ton bouclier, hein ? C'est la fin pour toi ! Je te briserai. Aloy, t'es là ? Je viens pour t'aider. Je dois juste trouver par où passer. Je vais te clouer le bec.
presque oublié ce que ça faisait d'avoir mal. On s'amuse bien, hein ? Allez, va sauver ta sœur. Je vais rejoindre les autres pour m'assurer qu'ils vont bien. Est-ce que ça va ? Écoute, je sais que tu as beaucoup souffert, mais tu dois m'aider à accéder au réseau des Zéniths. Je dois vérifier leurs fichiers, tout ce qui contient le terme Némésis. D'accord. Par ici. Tous les systèmes de la base ont grillé. Je devrais pouvoir y accéder. Oui, Némésis. Là. Il y a quelque chose dans l'espace. Et ça suit les zéniths vers la Terre. Là. Vecteur d'évitement. Alva avait essayé de me prévenir. Les zéniths ne comptent pas rester ici. On dirait une sorte de machine. Plutôt un essaim. Les relevés énergétiques sont astronomiques. Aloy, je ne crois pas que ce soit un désastre naturel qui ait chassé les zéniths de Sirius. C'est cette chose. Ils ne comptent pas s'installer sur Terre. Ce n'est qu'un relais pour eux. Ils sont en fuite. Je vois que tu es allé fouiner. Et toi, tu m'as menti. Némésis, qu'est-ce que c'est ? C'est nous. Les esprits de Zénith lointains. Ou plutôt de Palcopie, en fait. Quand j'étais sur Sirius, pour certains de mes semblables, l'immortalité physique n'était que le début. La transcendance numérique. C'était le moyen de transférer leur esprit dans tout corps mécanique ou organique. Némésis était une expérience ratée dans ce but. Abandonnée, mais jamais supprimée. Une immense base de données de nos souvenirs, émotions et préjugés, laissée à l'abandon. Et ça a détruit votre colonie ? Nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il avait sa propre volonté avant qu'il s'échappe. Il lui a suffi de consulter nos souvenirs. Protocole de sécurité, outils système, code d'accès. Il a tout piraté avant qu'on ne voie quoi que ce soit. Puis il s'est emparé de notre complexe d'impression afin de créer les machines dont il avait besoin pour nous anéantir tous. Mais pourquoi ? Imagine-toi piégé seul pendant des décennies, avec les souvenirs d'une bande de mégalomanes pour unique compagnie. Il veut se venger de nous pour l'avoir abandonné dans cette prison. Maintenant qu'il est libre, il fera tout ce qu'il peut pour nous détruire. Y compris nous empêcher de faire une halte sur Terre. Le signal d'extinction qui a réveillé Hadès... Ce n'était pas vous. C'était Némésis. Ça y est, tu as fini par comprendre. Et comme ça a échoué, il a quitté Sirius pour finir le travail lui-même. C'est pourquoi nous devons fuir, vers une planète inconnue, près d'une étoile inconnue, là où il ne nous trouvera jamais. Avec Gaïa, pour que vous puissiez vous créer un nouveau monde. C'est le plan. Pas le choix. La Terre est condamnée, Aloy. Némésis détruira toute vie pour priver ses créateurs d'un foyer.
Mais le rêve d'Elisabeth vivra. Tu m'accompagnes dans l'espace. Avec Gaïa, nous créerons un nouveau monde. Ensemble. Là où ce monstre ne pourra jamais nous trouver. Quoi ? Non. J'aimais Elisabeth. Plus que tu ne peux l'imaginer. Et je l'ai laissée ici, où elle est morte, avec le reste de l'humanité. Une erreur que je n'ai cessé de regretter depuis 1000 ans. Mais elle se tient à nouveau devant moi. Non pas une vulgaire copie, mais la meilleure version d'elle-même. Donc tu n'as pas le choix. Tu viens avec moi. Tu dois trouver ça dur, mais tu me pardonneras dans quelques siècles. Tu ne peux pas m'obliger, Tilda. Tu n'as plus de bouclier. J'ai quelque chose de bien mieux. Spectre Prime, à moi. Va se cacher ! Cours vers la porte ! Abandonne, Aloy. Tu ne gagneras pas. Ça, on le dit souvent. Je devrais d'abord scanner ça. Est-ce qu'elle a voulu t'enlever ? Et elle t'a dit pour Némésis. Alors tu savais depuis le début ? Oui, grâce à Hadès. Tout comme les données permettant d'effacer les boucliers des Zéniths. C'est le fondement de tout ce que j'ai entrepris pour créer cette armée de rebelles, dans le but de rejoindre ce lieu à cet instant. Et t'aurais pas pu m'en parler ? Je t'en prie, Aloy. Tu es la dernière personne à faire preuve de logique face à un choix impossible. Quand j'ai appris par Hadès pour Némésis, j'ai élaboré ma stratégie et déplacé mes pions. Et à ce moment précis, j'ai su que tu refuserais de jouer à ce jeu-là. Et que tu interviendrais pour tenter de sauver les Ténacs. J'avais raison, en partie. Tu as anéanti mes plans, mais tu as su aller au bout des tiens. Au final, le résultat est le même. Nous sommes ici.
Et maintenant, il est temps pour moi de quitter cette planète condamnée, de m'emparer de l'Odyssée et des données Apollon, afin d'entamer un nouveau chapitre dans ma quête de savoir, un chapitre aux possibilités infinies. Tu peux m'accompagner si tu le désires. Tu as plus que mérité ta place. Contrairement à Tilda, je te laisse le choix d'accepter ou non. Alors tu voudrais partir et tout laisser derrière toi ? Reste. Aide-moi à combattre cette chose. Peut-être que Tilda a omis de te donner certains détails. Némésis ne peut être arrêté. Il a détruit une colonie de Zénith très développée en quelques heures. Quel espoir reste-t-il pour une terre aussi primitive ? Si tu emmenais Gaïa, tu ne serais pas en train d'abandonner la vie. Tu la ferais éclore dans un nouveau monde. Tout comme l'a fait Elisabeth. C'est ça qu'elle a choisi. Sacrifier tout ce qui est au nom de ce qui pourrait advenir. Si elle était là à ta place, elle monterait dans cette navette à l'œil. Je l'ai trouvée. Elle est blessée ? Toujours debout. Grâce aux 10. Au revoir, Silence. Ça a l'air d'aller. Elle a l'air triomphale. Comme toujours. Aloy, tu as réussi. Où est-ce qu'il va ? Il part le plus loin possible de cet endroit. Oh. T'es sûr ? Tu restes ? Pour un temps. Vous allez avoir besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. Bon, quelqu'un d'autre veut à boire ? Pas si c'est ta bière immonde. Je ferai bien une petite sieste. Excellente idée. J'espère que c'est vraiment fini cette fois. Notre bataille se prépare, Elisabeth. Très différente de celle que tu as connue. Il ne s'agit pas d'espérer la création d'un nouveau monde. Mais de préserver celui que nous avons. Mes amis ont une nouvelle mission. Prévenir tout le monde et demander de l'aide. Ils n'ont pas hésité. Je crois que c'est parce qu'ils savent déjà ce que je commence tout juste à comprendre. Que les gens de ce monde ont la force nécessaire pour mener tous les combats. L'intelligence pour résoudre tout problème. Le courage pour surmonter tout obstacle. Et la ténacité pour se relever. Après tous les échecs.
Je peux pas dire que j'ai pas peur. Les épreuves qui nous attendent dépassent tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Mais je ne vais pas laisser ces peurs m'atteindre. Parce que pour la première fois de ma vie, je sens que je ne suis pas seule. It's growing so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. Storm.
Mmh.